À Londres, elle a fait danser les 15 000 personnes venues la voir. Après 9 années d'absence des scènes d'Europe, dont 5 passées à Las Vegas, Céline Dion est de retour. Je dirais pas que j'avais peur, mais vous savez, on se pose quand même... C'est pas quelque chose que je prends pour acquis, disons. Je me dis, on part en tournée, ça fait 9 ans que j'ai pas fait de tournée, on va être sans problème. Non, il y a toujours une petite question à quelque part, un petit frisson qui nous passe quand le spectacle commence et qu'on voit que la salle est remplie, on est quand même très touché. Oui, on est inquiet un peu aussi parce qu'on se dit, on a envie que ça fonctionne, on a envie que ça marche, on a envie que les gens aient envie de nous voir. What do you say? Et partout dans le monde, elle interprète au moins une chanson en français. À 40 ans, la star internationale assume ses origines. Le sang qui coule dans mes veines, ça vient de chez nous. Donc, je suis québécoise, francophone, canadienne. Donc, c'est mon sang. C'est pas que c'est un besoin, c'est que c'est qui je suis. En France, elle en chantera une dizaine. Pour chanter tes louanges, je ferai nos bagages. Pour d'infinis vendanges, les formules magiques, des morts en bout d'Afrique, je les dirai sans un mot, pour que tu m'aimes encore. De Paris à Monaco, en passant par Arras ou Nice, la tournée continue. Et le 22 mai prochain, à l'Élysée, elle sera faite chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur.